Dans cette vidéo, je vais te proposer 5 bons plans pour gagner de l'argent avec des méthodes insolites. Oui, ces 5 méthodes, en fait, on en parle vraiment rarement, on n'y pense pas, mais c'est des méthodes super simples, des astuces super simples pour gagner de l'argent facilement. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te proposer une méthode bonus, c'est la sixième, et celle-là, elle va te plaire, c'est sûr, tu voudras t'inscrire et la tester. Allez, c'est parti! La première méthode pour gagner de l'argent, et je trouve ça insolite, c'est de louer sa voiture. Voilà, on n'y pense pas. On a beaucoup plusieurs voitures, par exemple. On peut en avoir une, deux, voire trois. Bon, c'est rare, mais en général, on peut en avoir deux. Et c'est vrai que parfois, bah, il y a toujours une voiture quand on part en vacances qui reste voilà, à la maison. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, la rentabiliser, on peut la louer. Donc, c'est possible avec le site Wicar. C'est très simple, ce site. Vous allez donc vous connecter. Voilà, cliquez sur inscrire ma voiture et ensuite vous allez rentrer bien sûr donc le nom de votre voiture, prendre une photo, bien sûr la montrer de l'assurance et le permis de conduire et ensuite tout ce site, le site Wicar est un site très fiable géré par AXA et c'est eux qui gèrent tout, qui prennent en compte l'assurance et en plus c'est eux qui vous contactent parce qu'une fois que vous aurez mis en ligne tout ça, et ben des personnes vont vous contacter et vous n'aurez plus rien à faire ensuite. Une fois que vous êtes sur ce site, il faut juste bien sûr donc voilà mettre votre tarif. Et après, c'est parti. Regardez, donc vous allez donc voir les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, c'est parti. Vous pouvez louer votre voiture. Donc je trouve ça vraiment sympa. Moi, c'est un bon plan que je vais tester. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas de louer sa voiture. Deuxième plan. C'est recharger des trottinettes électriques. Et bah franchement, ça c'est un super plan parce que quand tu recharges une trottinette, c'est 7 euros la trottinette. Et bah moi, je vous conseille justement de vous inscrire. Donc on peut le faire partout dans le monde. C'est ça qui est bien. Donc en France, c'est la grande mode, mais on peut faire partout. Donc vous choisissez votre pays et ensuite vous y allez. C'est parti. Et ensuite, donc vous mettez prénom, nom, numéro de téléphone, adresse mail, et après, vous êtes Joycer. Ça veut dire que vous travaillez quand vous voulez. En général, c'est la nuit. Donc voilà, vous aurez ensuite un GPS, et ensuite, dans votre ville, ce sera à vous d'aller chercher des trottinettes. Et plus vous prenez des trottinettes, c'est 7 euros la trottinette, plus vous gagnez de l'argent. Donc moi, je me rappelle, je voulais le faire, et je me suis dit, en fait, même avec un ami, et je me suis dit, c'est un super bon plan. On loue un camion, ou même on emprunte un camion à un ami. On met toutes les trottinettes, on en met allez, une trentaine et on fait ça toutes les nuits. Et je peux vous dire que 30 x 7 la trottinette, ça peut faire beaucoup d'argent par nuit et en plus c'est vraiment pas très fatigant. Donc moi je vous conseille, bon plan, on n'y pense pas, mais recharger des trottinettes, c'est vraiment sympa. Troisième astuce, et celle-là, vous allez rigoler, on peut vendre ses cheveux. Oui, on peut vendre ses cheveux. C'est vrai que j'avais déjà entendu ça, mais il y a vraiment une plateforme où on peut s'inscrire pour vendre ses cheveux. Bon, c'est bien sûr pour hommes et femmes. C'est sûr que les femmes en général ont les cheveux un peu plus longs, donc ils auront plus de matière. Mais voilà, donc vous vous inscrivez sur ce site. C'est marqué comment, du coup. Poster, vendre ses cheveux, ils vous disent tout, donc c'est beaucoup de photos et ensuite et voilà, tout type de cheveux est accepté. Après, il doit avoir donc des conditions, mais moi je vous conseille vraiment, allez pourquoi pas, hein, de s'inscrire et ensuite c'est eux qui vous contactent. Et donc voilà, à vous de le faire. On peut être payé par PayPal, c'est ça qui est bien. Donc allez-y, si vous voulez vendre vos cheveux, si vous avez trop de cheveux, il faut se lancer. Quatrième méthode, c'est une méthode ça sympa et ça j'avais testé sur un autre site. C'est vrai que j'avais pas eu de réponse, mais ce site-là, je me suis renseigné jeroulefuté.com. C'est un site vraiment pas mal où vous allez gagner de l'argent en mettant des pubs sur votre voiture. Ce sera pas des grosses pubs. On va pas retourner votre voiture, non, loin de là. Là, ce sera un petit sticker à mettre sur votre voiture. On peut gagner 100 euros par mois. Donc, bah ok, c'est déjà bien. C'est déjà bon à prendre. Hein. Vous roulez et hop, un petit sticker. Les conditions, c'est très important. Donc, du coup, d'avoir un permis, mais aussi de déclarer le trajet qu'on fait. Voilà, c'est pas avoir une voiture et on la met au garage et c'est bon, on a l'argent. Non, il faudra quand même conduire, faire un minimum de 1 trajet par jour, donc ça ce sera vérifié. Donc avant de vous inscrire, il faut bien valider les kilomètres que vous faites d'habitude. Ça c'est très important.
Donc ensuite, une fois inscrit, donc vous irez bien sûr sur s'inscrire. Aussi, on peut parrainer, on peut avoir de l'argent avec le parrainage. Mais voilà, une fois inscrit, comme je vous ai dit, donc déclarer ses, voilà, son temps de trajet. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va vous contacter pour vous donner le sticker. Et ensuite, hop, vous le collez à votre voiture. C'est bien marqué, hein, on va vous demander 2-3 photos pour prouver que vous avez roulé avec le sticker qu'on vous a donné. Et ensuite, à la fin du mois, vous êtes payé. Pareil, super bon plan à tester. Moi, je vais le refaire. J'avais fait avec une autre un site, j'avais pas eu de réponse. Celui-là est beaucoup plus fiable et a beaucoup plus d'offres. Donc, à faire. Pour voilà, c'est juste à coller. Hop, 100€ par mois, juste en roulant. Ça, c'est vraiment magnifique. Quatrième bon plan, et ça c'est pas mal aussi, je sais pas si vous connaissez, être client mystère. Client mystère, c'est quoi? Si on vous donne une mission, par exemple vous allez manger au restaurant avec un petit questionnaire, et c'est à vous bien sûr d'enquêter sur ce resto, par exemple de savoir si le service est bien, etc. Et vous êtes payé pour ça. J'ai déjà fait une enquête comme ça, je vous raconte. J'étais parti dans un magasin et on m'avait dit donc justement de me renseigner sur un fer à repasser. J'avais juste une question à demander au vendeur par rapport au fer à repasser, et ensuite la deuxième mission c'était d'acheter un produit à moins de 10€ mais qui allait être remboursé. Donc en fait c'est vraiment jackpot ce être client mystère, parce que je vous dis, donc en fait j'ai eu 27€ pour la mission, j'ai eu le produit, c'était j'avais pris un des fourchettes et des couteaux, donc à moins de 10€. Donc j'ai payé, mais j'ai été remboursé. Donc du coup, j'ai été remboursé 10€, ça fait 37. Et ensuite, j'ai eu les fourchettes et couteaux. Et ensuite, ils vous remboursent aussi donc les frais kilométriques. Donc en gros, on va dire, allez, j'ai eu pour 40€ plus des fourchettes et des couteaux. Vous allez me dire, ok, c'est pas énorme, mais pour ce que j'ai fait, je suis passé même pas 5 minutes dans le magasin. C'est vraiment un super bon plan. En plus des tests, il y en a beaucoup. Donc là, j'en fais plus que j'ai pas vraiment le temps. Mais en ce moment, il y en a vraiment énormément des tests de clients mystères. En plus, dans tout domaine différent. Donc moi, je vous conseille vraiment le site Calivox. Il est super. Donc c'est très simple hein, pour l'inscription. Vous allez remplir vos coordonnées, un message, mail, très important, on va vous contacter par mail, et ensuite vous aurez un retour et vous serez inscrit, et après ce sera à vous de de postuler pour les offres qu'ils vont vous donner. Et si vous êtes encore à ce moment-là de la vidéo, voilà le petit bonus très drôle. Et quand je vous ai dit que c'était vraiment des vidéos, une vidéo sur des thèmes insolites, c'est très insolite mais ça va vous plaire. Alerte, genre de rêve, être payé 250€ pour manger des bonbons. Bon, j'ai vu ça sur un article, je me suis dit c'est vraiment pas mal, j'avais envie de vous parler de ça. Apparemment, c'est pas du fake, c'est vrai, voilà, ils proposaient 250€ pour manger des bonbons. Ça existe pas spécialement pour des bonbons, pas spécialement à ce prix-là, mais j'ai déjà fait des tests comme ça, c'est des réunions de consommateurs où vous êtes payé pour manger. Normalement, là, j'avais réussi un test dernièrement où j'étais payé 25€ pour manger des raviolis japonais, j'avais pas pu le faire, mais voilà, des tests comme ça, ça existe beaucoup. Et là, donc, ils proposent, donc, justement, si vous voulez le faire, on sait jamais, c'est vrai que l'offre, ça fait longtemps qu'elle est passée, mais si vous êtes intéressé, on sait jamais s'il y a encore d'autres offres. Voilà. Vous mettez votre nom, prénom, numéro de téléphone et l'adresse du mail, et vous écrivez un mail comme à ça, comme quoi vous dites que j'ai vu l'article et j'aimerais bien être payé pour manger des bonbons. On sait jamais, ça peut marcher. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que moi je trouve ça vraiment très fun, très marrant. Et comme je vous ai dit, ça existe, pas spécialement pour manger des bonbons, mais ça existe, ce type de mission. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça me ferait du bien. Et en tout cas, je suis content, vous me suivez de plus en plus. Et si vous aimez des bons petits plans comme ça, n'hésitez pas, en tout cas, mettez en commentaire quel plan dans ces 6 plans vous allez tester. À bientôt.